Alors, mon premier conseil est, en tant que vidéaste, de bien préparer son tournage. Pour ça, c'est bien préparer et choisir son sujet, préparer aussi ses équipes si besoin, quand on est sur des plus grosses vidéos. Et c'est aussi de réaliser un storyboard. Donc, moi, pour moi, la partie la plus importante, c'est vraiment de bien préparer son tournage. Alors, mon deuxième conseil est de ne pas oublier le son quand on tourne une vidéo. C'est pas compliqué pour ça, on utilise même un smartphone en rapprochant le micro du smartphone à côté de la bouche et ensuite de recaler au montage la vidéo ainsi que le son enregistré par le smartphone. Si jamais vraiment on a un problème au niveau du montage avec le son, ce qu'on fait c'est qu'on peut rajouter des sous-titres quand vraiment le son est médiocre, comme ça au moins ça rend la vidéo plus lisible. Et si jamais vous voulez rajouter de la musique par-dessus l'audio qui est enregistré en direct, ne pas oublier de doser correctement le niveau de la musique avec le niveau de l'audio, pour que l'audio en direct reste compréhensible. Voilà. Alors mon troisième et dernier conseil est qu'un montage réussi est un montage soigné. Ça veut dire que pendant la partie montage, on organise son espace de travail, on établit un plan de montage, on fait le dérochage correctement, on réalise le montage et à la fin on fait l'export dans le bon format. Si jamais on a une vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux, on va choisir un format qui peut être diffusable et uploadable sur un réseau social. Voilà.